Et même aussi, tu Ouais. sais, on vibre le schéma parental. Même si on n'en a pas conscience, même si on n'a pas encore construit des croyances limitantes autour de ça, on le vibre en nous. Tu vois, on s'est calé sur cette fréquence à l'époque sans le faire exprès, puisque c'était nos éducateurs, on n'avait Ah, pas d'autre en choix tant que qu'enfant, de voilà, on s'ajuster dessus. s'imprègne. Et oui. Donc voilà, tu te cales dessus et finalement, tu vibres ça, tu continues à le vibrer jusqu'à ce que tu coupes, en fait. Et c'est inconscient. Donc c'est normal que tu le ressentes pas. C'est complètement inconscient. J'ai fait plusieurs fois les bonhommes allumettes par rapport à ça et j'ai jamais rien vu changer en fait. Et oui, alors les bonhommes allumettes, quand ça fonctionne pas, c'est que c'est la structure vibratoire n'est pas encore prête à accueillir ça. Regarde pour l'eczéma. Marie m'a dit que ça s'était débloqué. Tu vois, c'est que c'était pas le moment avant. Oui, mais là, c'est revenu sur les pieds maintenant. Oui, mais déjà, tu l'as plus sur les mains. Bah, c'est clair, je l'ai sur les C'est pieds. mieux. C'est bizarre. Les pieds, c'est un lien avec les pieds sur terre, l'ancrage dans le monde matériel. Maintenant, il faut bosser là-dessus, peut-être. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, ça évolue, tu vois. C'est bien. Il y a quelque chose qui s'est produit là. Mais tu vois, si on en revient aux étapes, la première étape, c'est de poser ton intention sans te dire comment je vais faire. Parce que là, tout de suite, tu poses ton intention, je veux mettre des projets en place. Et ta première pensée, c'est pas possible avec mon salaire. Donc déjà, tu bloques tout de suite avec cette pensée-là, cette croyance-là. Peut-être parce que je suis réaliste et puis en plus je travaille en comptabilité, donc c'est Ah oui, ça voilà, aide pas. ça aide Mais pas. vraiment, voilà, quand tu poses ton intention, faut que tu dises, je souhaite ça, je ne sais pas comment ça va se réaliser, Ah. mais je sais que je vais le réaliser. Oui, d'accord, il Je faut sais croire. que je vais réussir à obtenir ça, même si je ne sais pas comment ça va se faire. D'accord, il ne faut pas que je cherche à savoir comment, il faut que je dise simplement que je le souhaite sans me poser la question par rapport à mes revenus. C'est ça, c'est ça. Et D'accord. après, quand tu vas faire les bonhommes allumettes, voilà, que tu auras conscientisé tes croyances, tes pensées négatives, que tu fais les bonhommes allumettes pour couper, ton intention de départ, ça va se clarifier et le comment va prendre forme tranquillement. Mais si tu rentres dans le mental à essayer de trouver comment je peux faire et te dire, bah non, c'est pas possible avec mon salaire, c'est pas possible, Oui. tu bloques, ça bloque tout de suite en partant.